Good morning, Alei, den Nesusra, aujourd'hui, le Nishmat, François Fragile, Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortuna, Zad Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine issue de Demichal, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kiddushin, Perek Dalet, Mishna Yud, Mishé Yatsahu, Ve Ishto, Le Mdina Dayan, Uvahu, Ve Ishto, Ubanav, Ve Amar, Isha, She Yatsat, Imi, Le Mdina Dayan, Areizo, Ve Elu Banea, אינו צריך להביא ראיה, לא על האישה ולא על הבנים. מתה ואלו בניה, מביא ראיה על הבנים ולא מביא ראיה על האישה. מי שיצא, je commence à traduire la Mishnah, après on expliquera ce que ça implique. L'histoire, elle est facile à comprendre, juste. Parce que les halakhot qui sont déduits de là, elles demandent un peu plus de précision. D'abord, je traduis le cas. מי שיצא וביישתו למדינת הים. On a un homme qui est parti, lui et sa femme, à l'étranger. Ils sont partis en mission au Chili. Au Venezuela, et ils sont partis pour 15 ans, et ils reviennent un jour, Ubahu Veishto Ubanav. Il revient lui, avec sa femme et ses enfants, Ve'amar, et il nous dit, Isha Sheyatzat Imin Emdinataya Marizo. Sachez que la femme qui était partie avec moi, c'est elle. Nous on ne la reconnaît pas, on ne la connaissait pas tellement de trop près non plus, on se rappelle plus ou moins, elle a beaucoup changé depuis le temps, elle est devenue plus grosse, plus maigre, plus blanche, plus ridée, plus que vous voulez. On ne sait pas, on ne sait pas dire que c'est pas elle, en tout cas on ne sait pas non plus dire que c'est elle, on n'en sait rien. Il nous dit sache que c'est elle, c'est ma femme. Et eux, ce que vous voyez là, les petits enfants qui sont avec elle, c'est ses enfants, elle. Eh bien, enozer la viraya, lo ala isha, velo ala banim. Il n'a pas besoin d'apporter de preuves, ni pour la femme, ni pour les enfants. De quoi on parle, on expliquera ensuite. Pour précisément de quoi, c'est-à-dire, par rapport à quelle halakha. Donc il est parti avec sa femme, il revient avec une femme et des enfants, et il dit ouais, ça c'est ma femme de l'époque, c'est la même. Et ça, c'est ses enfants, et eh ben, tout est accepté. Par contre, tout est validé. De quoi? En rapport à quoi? On va expliquer ensuite. Meta Velo Banea, par contre, s'il nous raconte, il revient seul avec des enfants. Il a maintenant quatre petits bambins, et il revient tout seul, sans femme, et il nous dit, ouais, malheureusement, elle est restée à l'étranger, elle a été enterrée là-bas. Velo Banea, mais ça, c'est les enfants qu'il a eu d'elle. Alors dans ce cas-là, il faudra juste Meviraya alabanim, veno Meviraya alaisha. Il devra apporter une preuve que les enfants sont effectivement ceux de la femme de là-bas, mais il n'aura plus besoin de rapporter de preuves sur la femme. Bon, on n'a pas tellement compris de quoi on parle, dans quel cadre on est, c'est quoi le... On est par rapport à les yursim. Vous vous rappelez qu'il faut, quand on se marie avec quelqu'un, il faut vérifier 4 générations en arrière pour être sûr avec qui on se marie, c'est quelqu'un de cachère. Il faut savoir qui c'est. Et préciser qu'il n'y a pas eu de mamzer, si c'est des Kohanim, qu'il n'y a pas eu de Khalalim. Savoir qui sont ceux avec qui on se marie. Sur ça, maintenant, on a quelqu'un. On se rappelle de Réhouven à l'époque, lorsqu'il habitait en Israël, il était jeune, on se rappelle de son mariage. Il y avait eu un Shidour, une fille extraordinaire, d'une famille très pure, tout ça. On a vérifié les 4 générations qui font 8 femmes, on rappelle l'histoire d'en haut. Et on a tout vérifié. Il s'est marié avec elle. Après, ils sont partis. C'est des rabbins, ils sont partis en Shlichut, je ne sais pas, pendant 15 ans, je ne sais pas où. Et puis ils reviennent ensuite. Et ils reviennent, et puis maintenant ils nous disent, bah, ça c'est ma femme, et ça c'est mes enfants. Alors maintenant, ces enfants-là, ils vont grandir. Moi, je vais vouloir marier mon fils avec une fille de chez eux. Ouais, donc je vais vouloir marier mon fils avec une fille de chez eux, mais je dois vérifier 4 générations maintenant. Si c'est des gens déjà vérifiés, je n'ai pas besoin de les vérifier, parce qu'ils sont déjà vérifiés. La question est de savoir, est-ce que c'est ces mêmes personnes? Si on se rappelle très bien, Réhouven il s'est marié avec Rachel, on se rappelle d'eux. Il n'y a pas d'intérêt à les vérifier, on a déjà vérifié. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est eux? Lui, on le reconnaît, il est parti tout brun, et il est revenu tout blanc. Mais on reconnaît, il a les mêmes yeux, il a le même... Sa femme, on a du mal à la reconnaître, on ne sait pas ce que oui, ce que non. D'abord, combien on regardait les femmes, savoir que c'était elle ou pas elle. Ils s'étaient mariés, ils avaient vécu 2 mois ici, on l'a plus ou moins reconnu, après ils sont partis là-bas. On voit, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, dans le doute, on ne va pas supposer qu'en fait il a changé de femme et qu'il est en train de... Ouais, dans la mesure où on n'a pas entendu que... Il y a toujours des rumeurs. Yeah, même avant l'époque du WhatsApp, ça existait, on entendait... Il y avait des échos de tout ce qui se passait, plus ou moins, c'était plus instantané, c'est vrai. On avait toujours des échos. On n'a jamais entendu que le fameux Réhouven, qui a grandi chez nous dans le quartier... Qu'il avait eu tellement de misère qu'il avait divorcé ou que sa femme était décédée, etc. On n'a jamais entendu d'histoire pareille. Donc il revient avec une femme, pourquoi soupçonner que c'est peut-être une autre femme?
Donc, cette femme, c'est la première. Les enfants, peut-être c'est les enfants d'une autre, peut-être qu'en réalité, il a eu deux femmes. Et qu'il y en a une des deux. Pourquoi? Tu regardes ses enfants, alors là, c'est très important, tu regardes que ses enfants, ils sont proches de leur mère, ils sont à ses petits soins, ils sont courris d'Intraria. Ils sont attachés à elle. Ils approchent, ils sont à ses petits soins. Quand ils veulent un petit câlin, ils vont recevoir un petit... Et quand ils sont tombés, ils vont recevoir un petit câlin chez leur mère. Ils vont... Tu vois qu'ils ont un rapport de mère et d'enfant. Quand ils sont petits uniquement. Quand ils sont grands, on peut jouer le jeu, donc c'est pas bon. Mais tant qu'ils sont encore plus ou moins petits, qu'ils sont encore dépendants de leur mère, alors dans ce cas-là, on suppose donc que cette femme, c'est la même femme, les enfants sont les mêmes enfants, vont arriver maintenant, ces enfants vont grandir, vont arriver dans l'âge des Shidduchim, je peux sans problème prendre une fille de chez lui pour mon fils, sans avoir besoin d'aller vérifier, ils sont déjà vérifiés. D'accord? C'est le chidouche. Si c'était des grands enfants, alors là, on va devoir s'assurer que ces enfants-là, il va falloir éclaircir. C'est pas la peine d'aller éclaircir ce qui s'est passé pendant les 15 ans. Parce que si maintenant, les enfants, là, ils ont un enfant, une fille de 18-19 ans, qui est plus tellement proche de sa mère, même s'il dit maman et tout ça, peut-être que c'est du bluff, peut-être que c'est adopté, peut-être qu'on n'en sait rien. Alors ça suffit de repartir. De partir avec des gens de 6 ans en arrière, 7 ans en arrière, qui nous disent, ouais, cette fille-là, je sais pas moi, Hana, bien sûr, c'était, on se rappelle d'elle quand on était jeune fille. On se rappelle que c'était la fille de cette femme-là. Même sans savoir qui c'est exactement la femme, est-ce que c'est la même ou pas, parce qu'eux ne la connaissaient pas. Donc c'est bon, on a un Retsef, on a une continuité de l'histoire depuis les gens qui sont partis, en tout cas les gens qui sont venus. Ok, c'est clair? Deuxième situation maintenant, c'est malheureusement, il revient veuf avec ses enfants, garçons, filles, il revient. Alors là maintenant, on a un problème de Retsef, comment dire, de continuité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Dans la mesure où il est parvenu avec la même femme, on ne voit pas les enfants qui sont attachés. Donc ces petits-enfants-là, ils sont attachés à lui, c'est vrai. Mais peut-être qu'en réalité, il a une des très lourdes histoires, que sa première femme qui est partie, et qu'après, elle s'est mariée avec une autre femme. On n'en sait rien, on a besoin de ça. C'est, comme on a dit dans le cas précédent, ce qui font que les enfants, on les affilie à la mère, c'est parce qu'ils sont attachés à elle. Donc là, maintenant, il n'y a plus de mère pour dire que c'est les siens, peut-être que c'est d'une autre femme. Alors dans ce cas-là, il va falloir uniquement nous dire que, non, trouver des gens qui se souviennent de cette femme-là avant qu'elle décède, que les enfants qui sont là, ils étaient attachés à la femme qui était avec Réhouven. Même si on n'est pas sûr que c'est la même qui était sortie avec lui. Là, dans la mesure où on a pas entendu le contraire, on revient. C'est-à-dire, notre but, c'est de trouver un moyen de retrouver cette femme qui était enterrée, de pouvoir faire. Autant que l'homme qui revient avec sa femme, il est cru pour la femme, et puis les enfants, ils sont crus parce qu'ils sont attachés à la mère. Donc maintenant, on a un problème, on n'a plus la mère pour voir les enfants attachés à la mère, et ben vas-y, va trouver uniquement un témoignage de dernières années, là où il y avait les enfants qui étaient attachés à la mère, et c'est bon. On conclut que c'est les mêmes enfants qui sont filiés à elle, et dans ce cas-là, lorsqu'ils vont grandir, on pourra se marier avec eux, sans avoir besoin d'aller vérifier, parce qu'on sait que c'est les enfants de la prétendue femme qui était sortie avec lui, et c'est bon, on a tout vérifié. Vous avez compris le principe? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.